L'Enchanteur est un roman fantastique, contemporain. C'est l'histoire dans une grande ville française qui pourrait être Bordeaux, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs, d'une bande d'adolescents dont la particularité est que l'un d'eux est malade et va mourir d'un cancer en phase terminale. Et le meneur de cette bande, qui s'appelle Stanislas, a un talent particulier, une sorte d'arnaqueur absolument génial, qui a monté un business florissant au lycée. C'est quand les gens viennent le voir avec des problèmes de notes, des problèmes d'amour, des problèmes de séduction, des problèmes avec les parents. Et lui monte des arnaques sophistiquées pour les résoudre. Et du coup, c'est devenu une sorte de virtuose du mensonge. Et une virtuose du spectacle, de la création, de la fiction. Et son ami, Daniel, celui qui est malade, lui lance un défi. Il lui dit, voilà, moi je vais crever. J'ai une passion dans la vie, ce sont les comédies musicales. Et je te lance un défi qui devrait être ton chef-d'œuvre. Je veux que tu transformes ma mort, ce truc totalement inacceptable et atrocement triste pour tous ceux qui m'aiment, en un spectacle si beau et si extraordinaire et si majestueux qui embrasse toute la ville, que finalement ça va m'offrir un peu d'immortalité et que chaque fois qu'on pensera à moi, on se souviendra d'un truc magnifique plutôt que de quelque chose de sordide. Et cette bande assez soudée, assez incroyable, quand même très talentueux, se met donc en route pour construire cet impossible défi que même appelle le miracle tellement il est difficile à réaliser. Au même moment, la ville va de plus en plus mal. Ça se passe aujourd'hui et maintenant, donc c'est pour toutes les raisons qu'on connaît, la peur, le terrorisme, les tensions, le communautarisme, le mécontentement général populaire. Et il semblerait qu'il y a des crimes qui se produisent, il y a des événements de plus en plus étranges. C'est comme si la ville tombait malade, ça devient proprement terrifiant, à tel point que certains commencent à parler de monstres. Beaucoup n'y croient pas. Est-ce qu'il y a vraiment tout à coup une sorte de malédiction fantastique en train de s'emparer de cet endroit? En tout cas, assez rapidement, nos héros qui sont concentrés sur leur tâche qui est de mener à bien ce miracle, commencent à remarquer un certain nombre de signes plutôt effrayants. On dirait peut-être que ce qui se passe, ces crimes, ces rumeurs de monstres, en tout cas, a peut-être quelque chose à voir avec eux. Il me fallait une ville, je voulais qu'elle soit à la fois réaliste et en même temps j'ai décidé de ne pas la nommer. Alors clairement en fait c'est Bordeaux. Pourquoi? Parce que j'y vais souvent et que c'est à Bordeaux en rêvassant dans les rues et notamment avec le miroir d'eau, le fleuve. J'ai eu quelques images de sortilèges, de choses qui commencent à déraper, enfin une sorte de rêverie fantastique. Donc j'ai décidé que... Et il me fallait une grande ville. Donc voilà, la deuxième plus grande ville de France, il me fallait des quartiers très différents, une bourgeoisie implantée, une périphérie, enfin tout ce qu'une mégalopole a à offrir. Et en même temps, la beauté de Bordeaux. Et finalement, j'ai beaucoup hésité, j'ai décidé de ne pas la nommer. Alors on peut reconnaître un peu. D'une part, pour garder une liberté sur la façon d'agencer certains lieux, qui m'arrangeait moi en dramaturgie. Bon, je vous ai quand même volé la fête du fleuve, parce que c'était un peu toute l'idée. Tout doit se passer à la fête du fleuve. Et puis, je me suis dit que c'était pas mal pour que les gens puissent se l'approprier, cet endroit magique, cette grande ville, qu'il y va sombrer ou être sauvé, finalement de ne pas la nommer. Quand je me suis attelé à l'idée d'écrire un roman fantastique dit pour les jeunes adultes, parce que c'est compliqué cette définition, en fait tout ça est parti du fait que ma fille a 13 ans et que moi quand j'avais son âge, je lisais énormément de littérature qu'aujourd'hui on appellerait jeunes adultes. Mais que ce soit de la SF, de la fantasy, enfin toute cette littérature de genre qui est en train, je trouve, de trouver un renouveau dans ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature jeunesse. Et voilà que ma fille arrive à mon âge, elle développe en fait les goûts que j'avais, donc on se passe les bouquins, je regarde. C'est comme ça que j'ai découvert la création française en jeune adulte et que je l'ai trouvée très intéressante, riche, variée, décomplexée, inventive et très ambitieuse. Et j'avais cette idée assez ambitieuse pour L'Enchanteur de ce roman qui a plusieurs strates de lecture. Et je me suis dit, ben, je vais assumer tiens, de le faire dans ce qu'on appelle jeune adulte. Sachant que pour moi, écrire pour des adolescents, c'est ne s'interdire aucune ambition. Donc L'Enchanteur est avant tout un roman fantastique avec une intrigue, mais palpitante j'espère. Mais ça ne m'interdit pas de parler de poésie, de littérature, de philosophie, de films, enfin, absolument rien n'est interdit en fonction d'un niveau d'âge de lecture. En revanche, il me semble que c'est finalement la règle incassable du genre. Il faut s'attacher à un rythme. Enfin, je pense qu'en fait, pour le dire plus simplement, Les adolescents peuvent tout lire, sont d'une immense intelligence dans cette génération et d'un appétit incroyable pour la culture. En revanche, je pense qu'ils ont développé une allergie à l'ennui virale. En tout cas, c'est ce que je vois chez ma fille et ses amis, l'actrice et lecteur. Donc l'idée, c'était de ne s'interdire rien en ambition intellectuelle ou culturelle, à condition qu'il soit tenu à chaque page. La particularité, c'est que j'ai les deux casquettes. Je suis aussi éditeur, et non seulement éditeur, mais en fait, au sein du collectif que j'anime, de plusieurs maisons d'édition, il y a beaucoup d'éditions jeunesse et jeunes adultes. Donc c'est aussi ça qui m'a décidé, c'est que même professionnellement, je me suis depuis 4-5 ans remis à les mains dans le bouillon de la littérature jeunesse. Vraiment enfin, sous le capot, puisqu'on a la Belle Colère qui fait des romans centrés sur l'adolescence. Le nouvel Attila, Benoît Virault, fait de la jeunesse et je suis aussi le traducteur des ouvrages du Docteur Seuss. Aux éditions Anne Carrière, on fait aussi de la fantaisie, de l'imaginaire. J'ai la chance et le privilège de publier Marie-Laurena Vaconsin et sa super trilogie Starpoint. Enfin, tout ça est devenu un environnement naturel. En revanche, j'étais écrivain avant d'être éditeur. J'avais publié deux romans. J'ai fait d'autres métiers, plus vers le synopsis, le scénario, le cinéma. Donc tout ça était assez naturel. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que finalement, c'est en publiant un genre que j'ai eu envie d'y aller. J'appartiens à la génération qui a grandi avec l'âge d'or de la science-fiction, donc je pourrais dire toute la collection Ailleurs et Demains. Je suis aussi une génération qui a eu la chance d'avoir il y avait une maison d'édition extraordinaire, c'était Nemo, avec une littérature qui aujourd'hui est plus très représentée, mais... je pense que c'est les vieux à qui se dira quelque chose, les Harry Dixon, Henry Rider Haggard, des livres comme Elle qui doit être obéi. Enfin, c'était assez riche comme période pour les littératures dites de l'imaginaire. Si je devais en retenir qu'un et en essayant de revenir le plus loin possible, le premier personnage auquel j'ai eu envie de m'identifier enfant, c'est Huckleberry Finn. Parce que c'était la liberté, les cabanes dans les arbres, partir de chez soi sur un radeau, à l'aventure, c'était... Ouais, Huckleberry Finn, c'était assez cool à mon époque.